Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de cette fête, j'aimerais bien souhaiter à la marocaine. Mbrouk alikoum l'Eid, inchallah yedkhol alikoum bsiha salama, chi houli wadak mdkhem, yak? Donc voilà, à cette occasion, j'aimerais bien vous proposer un tagine, un bon tagine d'agneau aux amandes. On y va? La première étape, on va préparer notre marinade. Je vais prendre un petit saladier, je vais ajouter 25 g de beurre, une poignée de persil de coriandre, un filet d'huile d'olive, une grande cuillère de miel, deux gousses d'ail ciselées. Concernant les épices, je vais prendre une cuillère à café de chaque sel, poivre, cannelle, gingembre, curcuma, sans oublier le safran et bien mélanger le tout. À l'aide d'un couteau, je vais fissurer notre gigot d'agneau afin que notre viande s'imprègne bien avec la marinade. Je badigeonne notre gigot d'agneau de marinade et laisse reposer minimum une heure. Avant juste d'enfourner votre gigot d'agneau, placez-y 4 quarts d'oignon, 2 feuilles de laurier et un grand verre d'eau. Enfournez votre plat à 170 degrés pendant 1h30. Et pour le côté croustillant, ce fameux plat marocain va à merveille avec des amandes frites dans l'huile. Alors, pour la présentation finale de mon plat, j'ai placé mon gigot d'agneau dans une belle assiette et je l'ai arrosé de sa propre sauce. Et pour la décoration, comme on avait dit, de belles amandes dorées ainsi que d'œufs durs. Voilà, donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit!